espoir et illusion, il vient pour acheter quelques roses en bouton. La fleuriste est jolie, perdue dans son printemps. Il n'est pas sûr de lui quand il dit gentiment: donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Le jeune homme est venu la voir tous les samedis, et puis bien plus souvent tous les après-midi. La fleuriste à présent connaît tous ses secrets, mais elle ne sait jamais vers qui va ce bouquet. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-les-moi parmi les plus belles. Donnez-moi des roses, elles les aiment tant. Un jour, en préparant son éternel bouquet, elle a dit gentiment: vous savez, je m'en vais, je me marie demain, vous ne me verrez plus, mais je vous aime bien, voici des roses en plus. Je ne veux plus de roses, mademoiselle, car mes rendez-vous n'existent jamais. C'était pour vous voir, vous êtes si belle. Gardez vos bouquets, c'est vous que j'aimais. Oui, c'était pour vous voir, car vous êtes si belle. Gardez vos bouquets, c'est vous que j'aimais.